Eh bien bonjour à tous les amis, bienvenue pour l'épisode 8 sur Harry Potter 1, j'espère que vous allez bien. Et on continue notre aventure et on devait aller à Gringotts voir Gribsek pour récupérer des galions et des mornilles. Pendant que notre cher Rubéus Hagrid est en train de siroter de la bière au beurre aux trois balais. Voilà, donc on laisse les jeunes y aller et les vieux, eh ben ils sont là en train de siroter de la bière. Ah je vous jure. Et c'est professeur, hein. Un professeur Hagrid. Bon, en quart de chasse au départ, mais. Quand même, hein. Par contre, ça me rappelle de terribles souvenirs, ça, Gringotts. Il me semble que l'épreuve n'est pas facile. Je sais plus si c'est dans le 1 ou dans le 2, mais l'épreuve n'est pas simple du tout. Bienvenue chez Gringotts, Monsieur Potter. Monsieur Potter. Pour accéder aux chambres fortes, vous devez rassembler tous les formulaires adéquats, puis les donner aux gobelins à l'extérieur de la porte. Ah oui, c'est le truc où faut glisser. Lorsque vous franchirez cette double porte, vous trouverez la chambre forte numéro 1 sur votre gauche. Bonne chance. Je voudrais le laisser passer à 38. Que dites-vous? Le laissez-passer à 38? Pour ceux qui ont la ref, hein. Ah, je dirais pas d'où ça vient. Seul indice, gaulois. Voilà. Le laissez-passer à 38. Aimeriez-vous récupérer quelques noises? Mais bien Pour sûr! pénétrer dans le coffre numéro 1, il est indispensable de remplir certaines formalités administratives et donc de rassembler tous les formulaires adéquats. Vous n'avez pas été assez rapide, je suis dans l'obligation de vous demander de recommencer. Bah, on commençait, on n'avait rien commencé déjà, donc tu te calmes. Voilà. Le laisser passer à 38. Bonjour, Monsieur Potter, et bienvenue dans Gringotts. Ah, je suis sûr que Monsieur Poff, il aurait pu faire la voix de doublage de ce gars-là. Oh oui, ça! Oh mon Dieu! Voilà, on y est. Là, c'est là où la galère va commencer, les amis. Bonjour, Monsieur Potter. Je vais vous expliquer comment diriger le wagonnet. Le wagonnet. Orienter le wagonnet vers la gauche ou vers la droite à l'aide des touches directionnelles. Le wagonnet. La touche croix bloque le wagonnet, et le ce qui permet wagonnet. de récupérer certaines des noises les plus difficiles à atteindre. Mais soyez très prudents. La mine est jonchée d'obstacles. Évitez-les si vous voulez récupérer vos pièces. Et si vous maîtrisez parfaitement le wagonnet, le vous découvrirez également des gemmes bonus cachées dans cette mine. Ramassez autant de noix que possible pour terminer le niveau. Le wagonnet. Ok, d'accord. On rappelle Super Brioche, qui est un youtubeur. Il avait tapé un gros fou rire sur le terme de wagonnet. Oh là, je suis trop fort. Je suis moins fort, je suis moins fort. Au secours! Ouais, c'est chaud, hein. C'est l'épreuve la plus chaude, hein, dans le jeu. Mais il l'a bloqué à gauche, enfoiré! Voilà, c'est chaud, hein. C'est chaud. Il nous faut trois pièces en plus. Thank you.
c'est chaud. Mais je crois que j'ai réussi. Je crois que j'ai réussi. Wouhou! Félicitations, monsieur Potter. Vous avez réussi. Désirez-vous réessayer? Veuillez emprunter cette porte pour retourner à la banque. On a réussi l'épreuve du wagonnet. Mais je crois qu'on va devoir le faire une deuxième fois, voire une troisième fois, que c'est beaucoup plus difficile. Hein. Le wagonnet. ok. Je dois aller où maintenant? Oh, ce son. Ah, c'est fermé. C'est la chambre quoi, ça? Ah bah, forcément, c'est la chambre 3. Donc, il faut aller dans la chambre 2. Oh là là, c'est une vraie patinoire. Mon Dieu. Ah. Oh. Mais vous avez une noise. Voulez-vous essayer de récupérer une mornie maintenant? Oui. Si vous voulez obtenir une mornie, vous devez à nouveau rassembler tous les formulaires adéquats. Bon, vous avez reconnu, hein, c'est la voix de Drago Malfoy. Hein. Allez, grimpe! Oh là, c'est chaud! Allez! C'est par là. Allez, t'es bloqué. Oh, en plus, c'est que la musique stressante. C'est pas par là? Oh, je me suis trompé de chemin en plus. Ouh! Ouf! Oh, j'ai chaud! Oh, j'ai chaud! Oh, j'ai chaud! Oh! Donc, ça veut dire qu'on va avoir encore deux épreuves de wagonnet. De wagonnet. Wagonnet. Bonjour, monsieur Potter. J'ai cru comprendre que vous étiez un véritable expert dans la collecte des noises. Mais je me demande si l'on... Si vous maîtrisez parfaitement le wagonnet, vous découvrirez également des gemmes bonus cachées dans cette mine. Soyez prudent, Harry. La mine est jonchée d'obstacles. Évitez-les si vous voulez récupérer vos pièces. N'oubliez pas d'utiliser les touches directionnelles pour faire pencher le wagonnet vers la gauche ou la droite et d'appuyer sur la touche croix pour l'arrêter. Ah oui, c'est vrai que je peux appuyer sur croix pour l'arrêter, je suis idiot, mais oui. Ah oui. Là, je faisais des tests, hein, rassurez-vous. Si je pouvais un truc.
ça va vite, hein. Voilà, je sais pas si j'en aurai assez là. Hein. Oh là là, j'en aurais pas assez, Zéva. Si c'est bon, j'en ai assez. Oh, tout juste. Oh là là, tout juste. Félicitations, Monsieur Potter, vous avez réussi. Réussi. Pouvez-vous recommencer ? Et non ! Veuillez emprunter cette porte pour retourner à la banque. D'accord, monsieur. C'est reparti. Faut aller à la chambre 3. Faut refaire l'épreuve des parchemins. Et aussi, du wagonnet. Allez, monte. Là, de mémoire, je crois que c'est à gauche. Encore à gauche. À droite. À gauche. À droite. Parfait. Yes. Vous avez maintenant une mornille. Voulez-vous tenter votre chance pour un galion ? Bien sûr. Si vous voulez obtenir un galion, vous devez à nouveau rassembler tous les formulaires adéquats. Eh ben, c'est parti. Le tout, c'est vraiment d'y aller prudemment. Bon, là c'était tranquille, hein. Franchement, j'ai bien réussi, je trouve. Mais attention! Parce que là maintenant, c'est l'épreuve des wagonnets. Des wagonnets. Faut vraiment aller prudemment. Faut vraiment faire petit coup de gâchette sur petit coup de gâchette pour les formulaires. Ne pas aller trop vite. Oh, le célèbre Monsieur Potter! Votre réputation n'est plus à faire parmi nous, vous savez. Ça, c'est la voix de Peeves. Les autres gobelins sont convaincus que vous dirigerez le wagonnet sans aucun problème. Faites pencher le wagonnet vers la gauche ou la droite à l'aide des touches directionnelles. On le sait. Oh, c'est bon. Soyez prudent, Harry. Si vous mettez... Alors déjà, c'est pas wagonnet, c'est wagonnet. Wagonnet. Ah, pas assez long celui-là. Ah, j'ai foiré. Fuck. Oh, t'abuses. Mais je touchais pas! Mais je peux rien toucher là! Bon, là, il va falloir recommencer, les amis, il va falloir recommencer. Bon, je fais n'importe quoi là, n'importe quoi. Bon, c'est chaud là, hein. C'est chaud.
Oh non, pas d'un. Non, pas d'un. Pas d'un. Pas d'un. Il m'en manquait juste un. Il m'en manquait juste un. C'est qui juste un? Bon, désolé, c'était pour la blague. Il m'en manquait juste un. Je suis deg. Ouais, joyeux, on s'en fout, clairement. Like a boss. Bravo, Monsieur Potter. Vous avez récupéré vos galions. Voulez-vous recommencer? Bien sûr que non. Veuillez emprunter cette porte pour retourner à la banque. Ah, je suis bien content de moi. Ok. Bon, bah, va falloir retourner... au début. Alors par là, par là, par là, ça glisse, hein. Hop, et par là, je crois. Oh là, j'ai le sens de l'orientation, moi. Un truc de fou. Vous avez récupéré les trois pièces, Monsieur Potter. J'espère que vous les dépenserez à bon escient. Oui, à base de bière au beurre, hein. Toi-même, tu sais, hein. Ah là 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 là. Ce bon vieux Hagrid. Ou alors
Putain, j'ai envie d'aller chez Ollivander, tiens. J'ai envie d'aller voir notre cher Ollivander, voir si lui aussi il est ravagé du ciboulot. Oula. Oh, mais qu'avez-vous là? Trois noises. Dans ce cas, je vous en prie, prenez toutes les plumes de paon qu'il vous faut. Mon paon vit dans la cour. Je vous conseille de l'approcher à pas de loup. Quand on le surprend, il perd ses plumes. Ok. Mais je vous préviens, n'utilisez jamais votre baguette sur un paon. Vous risqueriez de vous blesser. Faites un petit tour, je vous en prie. Vous trouverez quantité de boîtes remplies de choses dont je ne me souviens même plus. Oh, je sens que ça va être la merde. Et pendant ce temps, Hagrid est en train de siroter la bière au beurre. Quel mal, cette fois. Oui, parce que je savais que le temps était fini, donc bon. Sérieux? Ah, faut que je reste dessus en fait. J'ai pas vu le symbole de la plume. Commencer les amis, faut recommencer. C'est vraiment une mission de merde, hein. Mission de merde. Thank you.
C'est bon, là, j'en ai assez, là. Vous avez pu prendre... Oh là là, c'était une mission de merde. Mais une mission de merde. Oh là là là. Bon, ok, il va falloir aller dans les autres boutiques où il n'y a pas d'affiches, j'imagine. C'est ça le délire. Oh mon dieu, cette quête de mort. Là. Après, je sais pas trop à quoi nous a servi la cape d'invisibilité. Oh oui, cette quête. Oh, je m'en rappelle. Elle est chiante. Soyez le bienvenu à la ménagerie magique, Harry. J'attendais votre visite. Les trois verrues font un galion, mais pour les récupérer, vous devrez d'abord retrouver mon gros crapaud violet. Bouah. Je viens de recevoir une importante livraison, et mon gros crapaud violet en a profité pour se cacher derrière les cartons. Dès que vous le retrouverez, lancez-lui votre maléfice de repousse-tout, une première fois pour l'étourdir, puis une seconde fois pour lui arracher les verrues. Mais faites vite, il déteste qu'on lui arrache des verrues et il n'hésitera pas à disparaître s'il s'en rend compte. Vos sorts intempestifs. D'accord. Il y a... Mais non, c'est l'autre. Voilà, c'était celui-là. Mais non, mais... Oh, vise. Mais où? Oh, ça y est. Vous avez vos verrues. En vous remerciant, Harry. Et au plaisir de vous revoir. En vrai, vu tout ce que je t'ai détruit, ça vaut bien plus qu'un galion. Mais bon, chut, on ne va rien dire. Hein. Elle a l'air contente. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Bon, l'épisode va peut-être être un peu plus long, mais je pense qu'on va essayer de faire la dernière épreuve quand même. Non. Oui. Allez, on va essayer de se presser. Pour retrouver Hagrid. Wouh! Wouh! Oh, mais vous avez trois mornilles! Parfait, parfait. Vous pouvez donc choisir une plume de grand-duc. Un grand-duc étant un hibou. Le grand-duc se trouve dans la volière. Mais il est assez... nerveux. Je vous conseille de le nourrir avant d'essayer de lui dérober une plume. Vous trouverez sa nourriture sur la table de la volière. Utilisez le maléfice de Wingardium Leviosa pour donner à manger au grand-duc. Je savais pas que c'était considéré comme un pour ensorceler la nourriture. Oui, bon, ça, on sait. Hein. Après avoir mangé, le grand-duc sent... Merci. Chemin de traverse. Ouvrir la porte. Ah, ok. Je vois le délire. Wingardium Leviosa. Ah, j'ai compris. J'ai compris le délire. Wingardium Leviosa. Thank you.
Wingardium Leviosa. Encore? Wingardium Leviosa. Super. Wingardium Leviosa. Et voilà, bonne chose de faite. Je vois que... Donnez-moi... Oh, désolé, hein, mais lui, bon... Allez, on va le voir, on va voir Grid et puis après on se laissera là, les amis. Ah, je trouve qu'on a été plutôt efficace, hein, aujourd'hui. Bravo, Harry! On n'a plus qu'à rentrer à Poudlard pour guérir Norbert. Donc, en gros... Hagrid, il a juste servi à aller au chemin de traverse et à boire de la bière au beurre. Enfin, chez soi, c'est pas trop tôt. On va pouvoir donner à Norbert un peu de dragon fortant. On a réussi! Norbert est de nouveau sur pattes. Oh, merci, Harry. J'étais si inquiet. Je vois pas la différence avec avant, mais bon. Je suis content qu'il aille mieux, mais je suis triste à la fois. Il est assez grand pour voler de ses propres ailes maintenant. Il va vouloir partir maintenant, mon petit bébé. Mais moi, je veux le garder ici. Comme ça, je pourrai veiller sur lui. Pas demain la veille, mon coco. Pas demain la veille. Ah, séance histoire, après on se laisse les enfants. Harry, Ron et Hermione passèrent la plus grande partie de leur temps libre dans la cabane de Hagrid pour tenter de convaincre celui-ci de relâcher Norbert, son cher dragon. Hagrid finit par céder à leurs suppliques et accepta. Cette nuit-là, Harry emmena Norbert au sommet de la plus haute tour. Il y confia le dragon à des amis de Charlie, le frère de Ron, qui veillerait à ce que la pauvre bête arrive saine et sauve en Roumanie. Lorsque Norbert fut parti, le piège de Malfoy se referma sur Harry, qui fut mis en retenue par le professeur McGonagall. En guise de punition, Harry dut pénétrer dans la forêt interdite pour retrouver une licorne blessée. Le fameux passage dans le film avec la licorne. On va se séparer et chercher la licorne blessée chacun de son côté, Harry. Et le meilleur moyen pour ça, c'est de suivre des traces de sang argenté. Elle devrait bien se voir avec ce clair de lune. Alors, tu as bien compris, hein? Pour trouver la licorne, suis les traces de sang argenté. On a compris. Sois prudent. La forêt n'est pas toujours notre amie. Je ferais bien d'y aller, Harry. J'ai laissé cet enfant gâté de Drago avec Croque-Dur. Et si je n'y vais pas maintenant, Croque-Dur n'en fera qu'une bouchée. T'as pas envie de reprendre une petite bière au beurre, Hagrid? Bah écoutez les amis, sur ce, on va se laisser ici pour aujourd'hui. On continuera demain pour la suite de notre aventure sur Harry Potter 1 et la rencontre avec Voldemort une nouvelle fois. Sur ce, je vous fais à tous des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!